Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve donc ici au studio pour travailler et apprendre Sitting on Top of the World. C'est un morceau américain des années 30 de musique traditionnelle qui a été repris par des artistes plutôt dans le style country. Et en ce qui nous concerne, ça va être Doc Watson, Chet Atkins. Et pour la version que je vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est pratiquement la transcription fidèle de la leçon de Buster B. Jones. Quand j'ai vu cette version, je me suis dit il faut absolument que je la prenne, et quand je l'ai appris, je me suis dit il faut absolument que je vous la montre parce que je l'adore, elle est vraiment excellente. Elle n'est pas évidente à jouer, donc ça va être pour ceux qui savent déjà un petit peu maîtriser les bases eh bien, du Travis Picking. Si vous n'êtes pas familier avec la technique du Travis Picking, eh bien, je vous conseille de regarder cette leçon que j'ai postée il y a quelques temps qui va vous apprendre et vous montrer les bases de cette technique. Sur la chaîne Roue Guitare, je vous aide à perfectionner votre jeu de guitare. Merci de voter pour cette vidéo et de vous abonner. Comme d'habitude, je vais vous jouer ce morceau, cette fois-ci un petit peu plus lentement, avec la tablature qui défile. Et juste après, eh bien, je vous explique les principaux motifs et je vous apprends à le jouer. Une fois que vous vous sentez à l'aise et que vous l'avez appris, eh bien, vous pouvez revenir jouer avec moi et éventuellement ralentir la vitesse de lecture. Allez, c'est parti. 1, 2, et 1, 2, 3, 4, 1. Thank you.
Ce morceau fonctionne en fait beaucoup comme un blues. On a à peu près les mêmes cadences d'accords. Maintenant, c'est pas comme un blues en 12 mesures. Il va y avoir beaucoup de turnaround qui vont arriver de manière, on va dire, parfois un petit peu inattendue. Et c'est ça qui rend ce morceau intéressant, mais qui fait également sa difficulté. Le tempo auquel je joue au début de cette vidéo est de 135 BPM. La version ralentie, vous avez vu, ou du moins la version moins rapide, elle est à 100 BPM. On a deux motifs rythmiques, des croches et des noirs. Donc jusque-là, tout va bien et c'est certainement ça qui va nous aider en fait à pouvoir le jouer ce morceau et du moins ne pas avoir trop de difficultés rythmiques parce qu'au niveau des doigts, au niveau de la main côté chevalet, donc la main droite pour moi, il va y avoir des cordes à accrocher qui ne sont pas évidentes à trouver. Donc ça, ça va venir avec du travail et de la patience. Ça va se jouer donc avec un fil de swing, donc au lieu de faire 1 et 2 et 3 et 4, on va faire 1 et 2 et 3 et 4 et... Donc on va introduire avec des petites notes qui s'apparentent en fait à un arpège de mi majeur. Donc le petit doigt à la 7e case et... le doigt du milieu à la cinquième. Et vous allez faire donc avec la basse au pouce qui va alterner mi et sol dièse. Vous allez le travailler ceci et le faire tourner en boucle. Déjà, ça va être une première chose pour vous mettre en confiance. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc ensuite, on garde cette basse alternée. 0, 6, 0, 6, 1, 2, 3 et 4. Et donc là, on va relever le petit doigt vers la septième pour faire un slide pour l'accord suivant. L'accord suivant, c'est un mi septième en fait. Qui vient, peut-être vous connaissez cette forme de mi septième. 7, 6, 7. On a la tonique, la tierce et la septième. Donc là, on va garder en fait que la tierce et la septième. Et voilà un motif qu'on va retrouver beaucoup en picking au niveau de la main chevalier. 1, 2, 3, 4 et 1. Entraînez-vous donc à chaque fois sur une seule mesure. Faites la tournée jusqu'à temps de vous sentir à l'aise. 1, 2, 3, 4, 1 et 2 et 3, 4, 1 et 2 et 3, 4, 1, 2, 3 et 4. Donc là encore, on est sur un mi septième, mais peut-être pas de la manière dont vous êtes habitué à le jouer. Certainement, vous avez vu le mi septième de cette façon-là. On va pas jouer la corde de si, hein, surtout pas. Vous allez l'étouffer avec le doigt numéro 3. Et je pense que vous la connaissez cette forme, vous connaissez le 6-7e ici, c'est obligatoire. Là, on peut laisser la corde à vide. Donc ça va faire comme ceci. 1, 2, 3 et 4. On passe au La 7. Le motif du La 7, vous allez le jouer comme ceci, avec la corde de La à vide. La 5e case, corde de Ré, la 6e case, corde de Sol, et la 8e case, corde de Si. Donc là, on a la tonique, la 7e, la tierce, et puis là encore, donc le Sol, la 7e. Le La 7, vous avez dû l'apprendre peut-être comme ceci. J'aime beaucoup à titre personnel La 9. Pas ce qui nous intéresse exactement dans ce passage là. Donc ça va faire ceci. Vous pouvez laisser les doigts tous posés. 1, 2, 3 et 4 et enfin le passage le moins facile, c'est celui-ci. C'est un espèce
du turnaround. La difficulté de la mesure 7, en fait, c'est d'alterner cette basse. Donc, corde de La, cinquième case, corde de Ré et le Mi. Donc, le Mi, la note et la corde. Il va falloir avoir trois doigts. 6, 5 avec la corde à vide. Sixième case, corde de Sol. Et là, on va faire un petit bend. Simplement avec le petit doigt, vous n'avez pas besoin de bender beaucoup, mais il faut que ça sonne un petit peu désaccordé pour que ça sonne blues. Ou du moins que ça sonne comme un vieux blues. Que ça sonne vivant et organique. Et là, je l'accroche en fait avec le doigt numéro 3, la corde demi-aiguë. Et donc, le passage, ce que j'appelle le turnaround, qui nous ramène donc au début du thème. Ça, il faut vraiment l'apprendre par cœur. Donc 0. 0. Vous pouvez le faire en hammer-on. 4, 2. 3. 0. 1. Et donc c'est simplement en le jouant vite que vous allez pouvoir entendre la couleur de ce passage. Il n'est pas évident, c'est celui qui demande peut-être le plus de travail avec le... Le thème reprend avec une petite variation. Vous pouvez faire un petit hammer-on, 0, 0, 2, 0, 2. Correspond à ce qu'on avait joué au début, mais bon, avec une très légère variation. On démarre avec le sol dièse, donc la tierce. Donc on est revenu sur un mi septième, il va sans dire. Ensuite, je vais lever simplement la main pour avoir le 0, 5, 0, 6, Do 7. À vide. Donc là, je prends en fait, j'accroche que deux cordes à vide avec le doigt 3 et 1. Donc là, j'ai juste à descendre un petit peu sur le 6 septième. Vous voyez que je forme un 6 septième complet. Alors que sur la table, vous avez juste 1, 2, 2. Et ensuite, le hammer-on, 0. Un petit moment de répit, donc avec cette basse à la noire qui fait du bien pour pouvoir un petit peu préparer les motifs qui arrivent. Alors là, pareil, en fait, c'est un mi 6. Et on a donc noir, croche, 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 noir. 1, 2, je forme un mi majeur et je vais loger le petit doigt à la case numéro 2. Ce passage, le passage suivant, il est un petit peu plus difficile parce que là, en fait, il faut accrocher la première case donc avec le doigt numéro 1 et la quatrième avec le petit doigt et le doigt numéro 3 tout en formant un mi. Donc en slide. Si 7, donc là vers 2, 2, 0. Vous voyez que je laisse quand même mon doigt numéro 1 par sécurité et il va jouer ensuite sur la noire suivante. On change de basse. Et donc avec le mi à vide. Et encore ce petit turnaround. Donc le thème reprend. Et essayez de mettre un petit peu de dynamique avec votre accent en appuyant un petit peu plus fort. Alors un passage intéressant, ça va être celui du barré. Donc on va reprendre le thème.
fait, vous avez affaire simplement à un mi majeur. Hein. Si vous regardez bien, cette petite triade, vous la connaissez puisque vous jouez votre mi majeur comme ceci en barré. Vous allez rajouter l'octave ici. Donc, on va alterner la basse 0, 9, 0, 9. Et ça va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on a un petit triolet. Donc, hammer on, pull off à la dixième case. 9, 10, 9. Il va falloir raccrocher avec le pouce cette corde de ré. Il va falloir la trouver. Hein. Le passage du La7, c'est pour moi l'un des plus intéressants et il a été aussi l'un des plus difficiles à travailler. Alors en fait, c'est un La9. Ça me l'a fait redécouvrir. Je l'avais complètement oublié cet accord. Je l'utilise pas beaucoup, mais c'est vrai qu'en fait, on peut alterner la basse. Et donc, on a quelque chose d'assez riche. Harmoniquement, c'est super sympa. Donc, ça va être la case 7 et 8 sur les petites cordes qui vont être les plus intéressantes et qui vont être les plus difficiles. Et alterner cette basse, donc 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7. Et vous voyez que c'est la corde, donc 5, 4, 6, 4, 5, 4, 6, 4. Un plan tout à fait dans l'esprit de Chet Atkins. Et on va donc accrocher cordes avec la main droite. Donc le pouce va venir sur le deuxième temps. 1, 2 et 3, 3, 4. Le pouce va intervenir donc sur le deuxième temps. Et donc là je vais faire un petit bend avec le petit doigt. Et donc là corde à vide et en fait je relâche, ça me donne le temps de replacer ma main pour le mi. Dans un petit slide vous allez pouvoir le jouer comme ça. Donc troisième case quatrième et votre basse si mi et eh bien voilà avec le doigt numéro 1 en demi barré. Toujours ce petit passage à mesure 46, où là, il va falloir former donc, ce mi 7. Ça va pas être évident. Et à la fin, donc, au lieu de faire le turnaround qu'on avait fait au début, là, ça va être... des diades. Vous les prenez tranquillement avec le médiator vers le bas, le petit hammer on corde de sol, le petit hammer on corde de si deuxième case, donc pour un mi 6 et le mi 7e. On va essayer de le jouer simplement sur quatre cordes. Allez, maintenant à vous de jouer, à vous de travailler ce morceau, soyez patient. Ouvrez la description de cette vidéo pour accéder aux tablatures. Elles sont disponibles en format Guitar Pro et PDF pour tous les tipeurs. Voilà pour notre leçon du jour, notre morceau du jour. J'espère que cela va vous motiver à travailler cette technique du Travis Picking. Je vous retrouverai le plus vite possible pour une prochaine vidéo guitare ou un tuto guitare. En attendant, merci de voter pour cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne Roux Guitare. À très bientôt. Bye bye.